Qu'est-ce qui est arrivé à ta forge? C'est Neketia d'être de soldat. Un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle. Ils n'avaient pas tort. Non, mais ils m'ont pris tous mes outils. Ah, les chiens. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on m'ait débarrassé de ce capitaine aussi laid qu'Apep. Tu sais où je pourrais le trouver, ce capitaine? Et tes outils? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedje. Je te rapporterai tes outils. Et je m'occuperai de ce capitaine. Felipe a dit que ses outils étaient au camp Shedje. Le capitaine voleur d'outils est aussi le chef du camp Shedje. Ah, il est interdit de venir ici. Les outils de Benipe. Tout est réglé. Benipe sera heureux de l'apprendre. Laissez passer. Bayek, comment ça s'est passé? Voilà tes outils. Ce capitaine ne remettra plus les pieds ici. Je peux enfin rouvrir ma forge. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai ressorti ces armes que j'avais cachées aux soldats. Vas-y, je te l'offre, choisis-en une. Prends-en une. Elles ont toutes la même valeur. Cette massue n'est pas très grande, mais il n'y a rien de tel pour fendre un crâne. Cet arc est équipé. Merci, mon ami. Tu passes à mon échoppe quand tu veux, Bayek. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Bayek, c'est toi? Fais-moi sortir de là. Ils ont enlevé 4 autres prêtres. J'espère qu'ils sont encore en vie. Cache-toi ici.
quitte le temple dès que tu seras certain qu'il n'y a personne. Fais-moi sortir d'ici! Tout va bien? J'ai des plaies et des bosses. Ne vous le pardonneront pas. Kayek, c'est vraiment toi? Les dieux ne vous le pardonneront pas. Reste là. Sortir. Kayek, c'est vraiment toi? Les dieux soient loués. Nous devons arrêter cette folie. Cache-toi là, en attendant de pouvoir partir sans être vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Kayek, s'ils te trouvent, ils te tueront! Par la grâce d'Amon, ils sont tous là. Il appuie! Les
Hey. Quoi? Toi, tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa. Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Yeah. Oh, tu m'as fait rater. Kébou, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 yens. Elles sont toutes noires 16. Et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur! C'est pas vrai! Et la grotte Oyenne, alors? Tais-toi! Ça suffit, vous deux! Le sable me brûle les pieds! Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais... Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'a. Très bien, voilà la cérémonie, Kébou. Au revoir, Shadira. Trouponnez pas, Loura. Il n'est pas après n'importe quel mal. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand, aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Oh non, je leur ai fait peur. C'est pas grave. Ça nous fera plus de temps ensemble. Profitez de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Touché. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Allons chercher cette peau. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papa, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon.
Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderais. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Au sommet, il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot ? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Quel mot il disait, ton père, déjà ? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papa. Je peux. Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aide-moi. C'est Shendira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shendira, je m'en occupe. Medjay Bayek. Va, allez. J'ai peur, papa, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Medjay Bayek. Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah! Tiens. Qui es-tu pour me donner des ordres? On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. Ma flèche peut le toucher. Je peux le toucher. Hey. Par ici. On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. Je suis à portée. On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. Je vais le transpercer. On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. On n'a pas de temps à perdre. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Medjay. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous aider. Tu y répugnes aussi, peut-être. Bayek. Par loyauté envers le roi. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer d'avis. Silence ! Assez traîné ! Viens ! Veillez à ce que personne n'entre. Ah,
Kemu, tu es blessé. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps. L'enfant est effrayé. Tout va bien. Papa, il faut que tu leur dises pour la crypte. Il faut leur dire comment on utilise ça. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Seigneur, le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts. Bête. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Papo. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non? Papo, je peux te l'apporter. Non! Kemu, non! Ils vont nous faire du mal! Kemu, il faut... Kemu! Quelle perte de temps stupide! Non, Kemu, Kemu! Non, viens, viens, viens! Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir! Je vais arracher le cœur de ce garçon! Non, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde! Oh. Non, je vais parler! Il veut gagner du temps! Qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est la folie! Le serpent considère que c'est ta réponse. On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne! Bayek de nulle part, misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami.